me nomme Dapé Rosalie, mon faiseur, c'est le pasteur Traé. Je voulais dire merci au Seigneur, lui qui délivre les envoûtements. Le Seigneur m'a fait grâce, je me suis mariée très tôt, à l'âge de 16 ans à l'Assemblée de Dieu. Lorsque je me suis mariée, dans les cadeaux, j'ai découvert que dans les soupières, il y avait 5 soupières. Mais dans le troisième soupier, le jour où on a ouvert, c'était dans un carton. Je ouvre dans le soupier, je vois un truc noir dans le troisième soupier. Je dis, ça c'est quoi ça là? J'ai dit à mon mari, viens voir. Qu'il a regardé, il dit, oh, il faut jeter ça là. Il dit, ça c'est pas un envoûtement. Il dit, qu'est-ce que tu appelles envoûtement? Étant à l'Assemblée de Dieu, on a fait quelque chose de 20 ans. Il dit, qu'est-ce que tu appelles envoûtement? Bon, j'ai lavé, j'ai versé. Mais la soupière, je mettais sa sauce dedans. On mangeait bien. Faut dire, je me suis mariée 2002. Ça me fait 17 ans de mariage. Je n'aime pas mon mari du tout. Il ne sait pas, hein. Peut-être qu'il ne sait pas. Là, je sais. Je ne sais pas. Mais la nuit, s'il m'a touché, il dit, oh Seigneur, oh, j'ai mal. Une fois que je tombe malade sur place, je n'aimais pas. Ah! Dieu m'a fait grâce. Ma belle-sœur m'a donné un petit matelas. On a un grand matelas. Ce petit matelas, je lui ai donné. Il a sa place, moi j'ai ma place. S'il tourne jusqu'à je vois qu'il va venir vers moi. Non. Hey, mais pourquoi j'ai froid? Hey, mais pourquoi j'ai douleur? Vraiment, je te sors tout ça d'arguments pour parler. Là, là, il a oublié d'enlever sa main sur moi. Depuis 2002, qu'on est marié, je n'ai jamais dit à mon mari que je t'aime ou bien j'ai envie d'aller avec toi. Je ne connais pas. Moi, je ne sais pas que c'est un envoûtement. Mais il a failli s'aimer. Oui, Jésus-Christ, c'est vrai. Jésus-Christ. Il a failli s'aimer. L'année passée, le Seigneur m'a délivré de la pauvreté. Cette année qu'il m'a délivré de l'envoûtement, faut dire le vendredi se passer. Dimanche prochain, je vais rentrer témoigner. Il y a beaucoup d'hommes. Quand on arrive à la maison, le jeudi au vendredi, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme si j'allais dans mon lieu de travail. J'arrive là-bas, je vois une folle qui est couchée sur ma table, écartée ses pieds. Elle dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Il dit, non, c'est une tante là qui m'a envoyé. Il dit, mamie, sors! Ici, là, c'est pas chez toi. Sors, 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 sors. Elle a commencé à appeler, je ne sors pas. Il a dit, sors. Il y a ma fille qui était là, elle dit, celle-là. Elle est très impolie. Il a dit, mais impolitesse, ça ne m'est pas dedans. Avec Jésus, elle va sortir d'ici. Elle est sortie. Dans le même son, j'arrive à la maison. Je trouve que mon mari a couché son petit matelas de l'habitude. Mais je rentre. Je vois que dans la maison où on habite, haut de peinture, c'est avec caca de bœuf qu'ils ont pris pour faire la peinture de notre maison. Tous nos bagages étaient couverts de caca de bœuf. Il a dit, Jésus, ça c'est quoi cela? Donc c'est dans ça on vit. Depuis quelle année? La voix dit, reste tranquille. Dans la soupière, tu as oublié? Il a dit, soupière, quelle soupière? Mais c'était un cadeau. Il dit, dans la soupière, ce qu'ils ont mis, c'est un envoûtement. Il dit, Seigneur Jésus. Donc depuis 2002, 17 ans de mariage, moi et mon mari, c'est comme lion puis chat. Il a dit, s'il y a quelque chose qui l'a touché, on dit de me tuer. Oh Jésus, tu es vraiment la CMCI. Jésus-Christ, Jesus. C'est ainsi, j'ai dit dans le songe. J'ai réveillé mon mari et dit, lève-toi, tu vas voir ce qui se passe dans la maison. Mais toi, tu vois tout seul et puis tu es couché. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, on vit dans caca de bœuf. Tu sais pas? Il dit, caca de bœuf. J'ai dit, mais regarde, regarde, on ne voit même pas nos bagages. Regarde, dans le songe, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois un monsieur qui m'envoie balai tout neuf. Il dit, tiens, avec ça, si tu balais, la maison sera bien propre. Il a dit, ok, merci. J'ai pris le balai. Lorsque je balais, les déchets là, ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Jésus-Christ. Et j'ai balayé, j'ai vu que la maison,
C'est comme on venait de mettre une nouvelle peinture de la maison. J'ai vu où se trouvaient nos bagages. J'ai dit, Seigneur, depuis combien d'années on vivait dans ça? Mes soeurs, si vous êtes là, ne doutez point. J'étais à l'Assemblée de Dieu, j'ai fait 20 ans. Dieu m'a fait grâce, je me suis mariée. Un jour, je vais présenter mes enfants ici. C'était difficile. Il a fallu CMCI pour être délivré avant-hier. Quand je me suis réveillée dans le songe, quand j'ai fini de balayer, nettoyer, la maison est devenue propre. Je me suis réveillée, il était 3 heures du matin. J'ai dit, Jo, il s'appelle Joseph. Donc moi, je l'appelle Jo. J'ai dit, Jo, depuis 2002, je vous dis, depuis 2002, je ne connais pas ce qu'on dit. Mon mari, j'ai envie d'aller avec toi. Je ne connais pas. Mais ce jour, je me suis sentie femme. Jésus-Christ. Jésus. Acclamons. Jésus-Christ. 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 Et j'ai dit à mon mari, Jo, bizarrement, je dis, j'ai envie d'aller avec toi. Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, aujourd'hui, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Maman, je vais rendre au Seigneur de m'avoir délivré de cet envoûtement. Depuis ce jour, c'est comme je viens de me marier. J'aime mon mari comme la manière chez Sinisem. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Nos parents ont besoin de cette joie qui nous anime. Our parents need this joy that is in us. Nous ne pouvons pas nous enfermer ici et nous réjouir sans eux. We cannot be closed here to rejoice without them. Il faut que le salut les atteigne. Salvation must reach them. Quand nous prions pour le règne de Jésus, when we pray for the reign of Jesus, Jésus travaille pour nous. Jesus works for us. La malédiction règne. Curse reigns. Des envoûtements. Bewitchment. Des vols. Theft. Des meurtres. Murder. Caractérise tout le règne du diable. All this show the reign of the devil. Vous avez écouté les témoignages. You listened to the testimonies. On lance le sort, tu bois, on t'envoûte. They bewitch you. You drink, and you are bewitched. On t'envoûte. You are bewitched. Tu oublies ta femme. You forget your wife. Tu oublies ton mari. You forget your husband. Tu prends la natte, tu te couches dessus. And you take the mat and sleep on it. Pendant des années. For years. Frère, Jésus nous a amenés à un autre niveau. Brethren, Jesus has taken us up to a certain level. Jésus Christ. Jesus. Dis Jésus Christ. Say Jesus. Quand la terre a tremblé. When earth shook. Quand Jésus a dit, Père, je te remets mon esprit. When Jesus said, Father, I give you my spirit. Le gardien dit, cet homme était fils de Dieu. They said this man was the son of God. Un soldat qui gardait. A soldier who was keeping. S'est exclamé. He exclaimed himself. Cet homme. That man était fils de Dieu. Was the son of God. Was the son of God. Mais nous sommes allés plus loin. But we have gone far. Nous savons. We know. Que c'était Dieu. That it was God. En Christ. In Christ. Délivrant l'humanité. Delivering mankind. Dieu a pris la chair humaine. God took human flesh. Pour habiter dedans. To live in it. Et s'approcher des humains. And come near human beings. Et quand il entre chez toi. And when he gets into to you. Il apporte la vie. He brings life. S'il voit que tu as soif de lui. If he sees that you thirst for him. Il dit comme il a dit à Zachée. Descends. He tells you as he told to Zacchaeus, come down. Allons à la maison, allons chez toi. Let us go to your house. Et Jésus a vu ta faim et ta soif. And Jesus saw your thirst and your hunger.
Vous rentrez à la maison aujourd'hui. You get back home today. Il dort avec toi. He sleep with you. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Tu n'avais jamais su qu'il était si proche. You did not know that you are so near. Il va te prouver qu'il est là depuis. That he was there since. Qu'il attendait qu'on se réveille. He was waiting for us to rise up, to wake up. Un jour, one day, je suis allé rendre visite à l'hôpital, visite à une sœur à l'hôpital. I went to pay visit to a sister at the hospital. Et je l'avais trouvée en train de crier dans les toilettes de l'hôpital. I saw her crying in the toilets of the hospitals. Elle avait déjà fait 29 jours. She had already spent 29 days. On fait les examens, on ne voit pas ce qu'elle a. They make the analysis and they can't see what she has. Or, la médecine a évolué. Si on ne voit pas le mal, on ne peut pas s'attaquer à lui. Whereas the medicine has evolved, if we cannot see the pain, we cannot attack it. Et ce jour-là, that day, l'hôpital, la cantine de Douala avait décidé de l'envoyer à Yaoundé. The hospital in Douala decided to take her to Yaoundé. J'avais l'argent dans ma poche. I had money in my pocket. J'ai enlevé ce qui me permettait de payer mon transport pour la maison. I took what allowed me to pay my transport fee for home. J'ai donné le reste. And I gave her the rest. En donnant, j'avais une impression que c'était mon dernier geste de charité. While I was giving her that money, I got the impression that it was my last gesture of love. Je savais qu'elle allait mourir. I felt that she was going to die. Dans la nuit, in a night, je me suis mis à genoux devant Dieu. I knelt before God. Et je priais. And I was praying. Je priais. Praying. Et je pleurais devant. And I was crying. Vrai pleur, c'est-à-dire que quand je prie, les larmes coulent. True crying because my tears were coming down. Et j'ai demandé à Dieu, and I was asking pourquoi God, tu ne nous guéris pas? Why do you not heal us? Nous sommes malades. We are sick. Tu ne nous guéris pas. You don't heal us. J'ai dit, tu n'as pas guéri la sœur. I said you did not heal that sister. Et j'ai cité deux autres sœurs. And I quoted two other sisters. Je ne savais pas que ma prière était déjà comme celle de Job. I did not know that my prayer was already like that of Job. Mais j'étais un jeune pasteur zélé et je croyais que c'était une prière puissante. But I was a zealous young pastor. I thought it was a powerful and mighty prayer. Mais comme j'étais sincère, but as I was sincere, le Seigneur avait décidé de se révéler à moi. God decided to reveal himself to me. Pendant que je criais, while I was crying out, je ne pouvais plus parler. I could not speak anymore. Je ne pouvais plus bouger. I could not move anymore. Et Dieu m'a séparé mon corps-ci de mon âme ou mon esprit. Je ne sais pas si c'était l'esprit ou l'âme. C'est là où je comprends le passage de Paul. God separated my body with my spirit. I did not know if it was my spirit or my soul. That's where I understand the passage of Paul. Ce que je sais, c'est que ce corps est resté en bas dans l'obscurité. What I know is that this body remained down in darkness. Et c'est comme si les grillons de, c'est comme si c'était à minuit dans une forêt équatoriale. It was as if it was midnight in an equatorial forest. Des grillons, des criquets, chan, 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 chan. C'est ce que le corps s'y entendait. Locusts were there crying out, and making noise. That's what this body heard. Et mon esprit est monté. And my spirit went up. Et j'ai entendu. And I heard. Utilisez ma puissance. Use my power. Utilisez ma puissance. Use my power. Utilisez ma puissance. Use my power. Ça venait du trône. It was coming from the throne. Clair. Clear. Et mon esprit est revenu dans mon corps. And my spirit came into my body. Et j'étais convaincu que j'avais mal prié. I was convinced that I did not pray well. Parce que le Saint-Esprit m'expliquait. Because the Holy Spirit was explaining to me
que j'ai tout accompli. That I have accomplished all. Utilisez ma puissance. Use my power. Il voulait me dire que il fallait vous-même, vous pouvez la guérir. He said he wanted to tell me that you yourself could heal her. Qu'il a tout accompli. That he has already accomplished all. J'ai gardé ça pendant un mois sans dire à quelqu'un. I kept it for about 1 month without sharing it with somebody. Je me disais, si je dis aux gens, ils vont croire que je suis très fort, très spirituel. I told myself that if I tell people, they may think that I am too strong and too spiritual. Mais je savais que Dieu m'avait parlé. But I knew God spoke to me. Et Dieu était en train de m'initier au ministère de guérison. God was initiating me to the ministry of healing. Jésus a tout accompli. Jesus has accomplished everything. Tu saisis ta guérison. You lay hold of your healing. Et quand la sœur est partie à Yaoundé, and when the sister went to Yaoundé, les frères de la CMFI, la même communauté, the brethren of the CMFI, the same community, il y a une maman, j'appelle maman Evelyn. There's a mother I called Mom Evelyn, qui a donné une révélation qu'on a empoisonné la sœur en sorcellerie. Who gave a revelation that the sister drank poison in witchcraft? Ils ont prié. They prayed. La sœur est guérie. And the sister was healed. Hallelujah. Praise the Lord. Après, after, elle est venue à Douala. She came to Douala. Elle nous a rendu son témoignage. She testifies. She bore her testimony to us. Elle nous a dit, and she told us, comme séquelle de ce mal, as the consequences of that pain, c'est que la veine cave est bouchée. The vein that take blood to the heart was closed, was blocked. Donc elle devait aller en France pour une opération très 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 délicate. So she was to be taken to France for a very delicate operation. C'est ce jour-là it is that day que j'ai pris la parole pour dire ce que j'avais reçu. That I took the word and shared what I received. Parce que c'était à son sujet que j'avais prié. Because I prayed concerning about her. J'ai dit aux frères, I told the brethren, j'ai d'abord raconté la vision. I first shared the vision. Je leur ai dit, au moins la veine cave, on peut la déboucher, au moins ça. On a déjà raté le ministère de guérison, débouchons au moins la veine cave. I told the brethren, even though we have already missed the ministry of healing, at least we have to remove the blockage of the vein. Là, nous avons prié. On avait vraiment prié ce jour-là. C'était dans une assemblée. We prayed a lot that day. It was in an assembly. Elle n'est plus jamais allée en France. She did not go to France. Mais le témoignage, but a testimony, c'est que au cours de certains examens en France pour un autre mal, is that during some other analysis in France for another pain, les médecins disent que elle a un système circulaire qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que le sang rentre par une veine qui est sous son abdomen. C'est-à-dire Dieu a modifié le circuit du sang. The doctor said that God has changed the secret of the blood, the way blood circulates in our body. Qui disait c'est, et puis je lui ai rappelé tout le témoignage. God can modify everything. He created all. He can change and strengthen. Il est vivant. He's alive. S'il veut entrer dans nos familles, if he wants to get into our families, ouvrons-lui les portes. Let us open doors, the doors. Soyons ses messagers. Let us be his messengers. Lui-même pouvait le faire. He himself could do it. Il a dit, but he said, comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi je vous envoie. I to send you. Jésus existe. Jesus exists. Tout ce que nous entendons là est vrai. All that we hear here is true. Et nous verrons de plus grandes œuvres encore. And we will see greater things. Tout est planifié. Il a tout planifié. Everything is planned. He pour planned sa gloire. For his glory. Et personne ne peut bloquer.
But no one can block it. Même ton petit doute là, il va l'écraser. Even your little doubt will be crushed. Dis amen. Say amen. N'est-ce pas, l'apôtre Pierre a douté dans l'eau. Even when the apostle Peter doubted in the water. Pierre n'a pas douté en marchant sur l'eau. Did Peter not doubt when he was walking après on the water? Ça, il n'est pas devenu un ressuscité des morts. After that, did he not become someone who rose the dead? Tu auras la foi. You will have faith. Il est dit, c'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. He said that he's the one who raises faith and brings it to perfection. Quand il voudra que tu ressuscites un mort, il va créer ça sur le champ, tu vas ressusciter le mort. When the time comes that he will want you to rise up a dead, to raise a dead, he will put it in you and you will do it. Et la sœur Durabou est quelque part. Un jour, elle est entrée dans mon bureau. Sister Durabou is somewhere. One day she came into my office. Je ne sais pas si c'était au bureau ou bien à la maison de plateau. I don't know if it is in my house in two plateau or at home or elle in dit, my office. Le médecin dit que je n'ovule, pardon, je ne peux pas enfanter. She said that the doctor said that I have no ovary, so I cannot bear a child. Je lui ai dit c'est faux. Va reprendre l'examen. Va reprendre. I told her that this is fake. It's false. Go and retake the analysis. Elle est partie. She went. Le médecin lui dit bon, reviens au prochain menstrue. And the doctor told her that come the next time you'll have your menses. Il est rentré. And après un mois, she went back home. After one month, she sees nothing. 3 mois, elle s'en va. 2 months, 3 months, nothing. On lui dit, mais tu es enceinte. 3 months, she goes and they say that you are pregnant. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Et l'enfant attend le résultat du bac. And her son is waiting for the result of the A level exam. Jésus est vivant. Jesus is alive. Lève ta main. Raise your hand. Dis Seigneur. Say Lord. Entre triomphalement chez moi. Enter. Tu es roi. You are king. Les faux dieux ont été transportés. The false god have been transported. Des dieux qui ne sont pas des dieux. Gods which are not gods. Les gens sont partis les acheter. People went to buy them. Pour déposer chez nous. To come and lay them at home. Et ils ont attiré ta colère. And they have raised your wrath. Dis Seigneur. Say Lord. Tous ces cris de détresse. All these cries of trouble. Toute cette misère que nous vivons. All this misery we are experiencing. Disent une seule chose. Tell one thing. Que tu es vrai. That you are true. Que ta parole est vraie. Your word is true. Ta parole est vraie. Your word is true. Ta parole a averti. Your word warned us. Que celui qui s'éloigne de toi, that the one who gets far away from you, s'attache à la mort. He is binding himself to death. C'est ça qui est vrai. This is what is true. Nous rejetons le mensonge des idoles. We reject the lies of the idols. Ta parole est vraie. Your word is true. Ta parole est vraie. Your word is true. Et en priant, tu n'es pas en train de prier pour toi. Tu pries pour nous tous. While you are praying, you are not praying for yourself. You are praying for all of us. Ça c'est une prière. Au ciel, c'est un seul cri qui entre là-bas. Up into heaven, it is only one cry that goes up. C'est pour cette raison que ça fait trembler l'enfer. That's why it makes hell shake. Donc tu lèves ta main. So raise your hand. Tu dis Seigneur. Say Lord. Nous annulons tous les engagements. We cancel all the commitments. Tous les engagements des ancêtres, des parents. All the commitments of our ancestors and our parents. Nos propres engagements. Our own commitments. Nous les annulons. We cancel them.
Parce que ton nom est un nom puissant. Because your name is a mighty name. Ton nom est un nom puissant. Your name is a mighty name. Nous jugeons les mensonges des idoles. We judge the lies of the idols. Nous les exposons. We expose them. Afin que du plus petit au plus grand. So that for the little one to the older one. Que tout le monde sache. Let everybody knows. Que les idoles. That idols. Sont une vanité. Are vanity. Que les coutumes. That are our sont une vanité. Are vanity. Que les traditions. That are traditions. Sont une vanité. Are vanity. Que les masques. That are masks. Sont une vanité. Are vanity. Que les vaudous, that vaudous sont une vanité. Are vanities. Que les sectes sataniques. That are satanic sects. Les sectes orientales. Les sectes occidentales. The western les sectes asiatiques. Sont une vanité. Vanity. Vanité. Vanity. Vanité. Vanity. Vanité. Vanity. Que la lumière luise. Let light shine. Que la lumière luise. Let light shine. Que la lumière luise. Let light shine. Qu'elle éclaire les intelligences. That it enlightens intelligence. Qu'elle illumine les pensées. That it enlightens the thoughts. Que la sagesse descende. Let wisdom come down. Qu'elle communique le discernement. And communicate discernment. Et que le discernement produise la justice. Let discernment produce justice. Dans nos pensées. In our thoughts. Dans nos paroles. In our words. Dans nos actes. In our acts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous chassons tous les démons. We cast out all the demons. Derrière chaque idole. Behind each idol. Derrière chaque phénomène. Behind each phenomenon. Derrière chaque coutume. Behind each custom. Derrière chaque tradition. Behind each tradition. Tous les démons. All the demons. Libérés par l'enfer. That have been released by hell. Libérés par les puissances des ténèbres. Released by the forces of nous les chassons de la famille. Nous les chassons de nos familles. We cast them out of our families. Comme un accord, nous sommes tous d'accord. Que Jésus soit le seul roi, le seul roi. We agree that Jesus is the only king. Avec un seul peuple, un seul peuple. We are only one people. Un peuple racheté, un peuple sauvé. A redeemed people. Un peuple justifié, un peuple justifié. Saved people, justified people. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et nous rejetons la sorcellerie. We reject witchcraft. Nous bannissons ces œuvres. We banish these works. Nous détruisons ces envoûtements. We destroy the bewitchments. Et nous délivrons les âmes tenues captives. We deliver the captives. Qu'il y ait dégoût total. Let it be the total disgust. Des pratiques de sorcellerie. Of the practice of witchcraft. Que les victimes viennent en foule se donner à Jésus. Let victims come in multitude to give the life to Jesus. Nous écrasons les obstacles. We crush obstacles. Devant chaque sorcier qui veut se convertir. Before each witch who wants to convert. Nous brisons les barrières. We break the barriers. Devant les adeptes des sectes qui veulent se convertir. Before the followers of the sect which want to get qu'ils viennent. Let them come, let them come. Qu'ils se donnent au roi des rois. And give the life to the king of kings. Qu'ils se donnent au roi des rois. Give the life to the king of kings. Qu'ils se donnent au roi des rois. To give the kings to the king of kings. Prions Allah. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Écoutez, listen. Il y a des conquêtes et Dieu utilise les hommes pour la conquête. There are conquests and God uses men for the conquest. Tu seras, tu es un petit Cyrus de ta famille. You are a little Cyrus of your family. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Écoutez très bien, Isaïe 45. Listen carefully, Isaiah 45. Ainsi parle l'Éternel à son noir, à Cyrus. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus. Qu'il tient dans la main. Whose right hand pour terrasser les nations devant lui. I have heard to subdue nations before et pour him, relâcher la ceinture des rois. And to lose the armor of kings. Pour lui ouvrir les portes. To open before him the double doors. Afin qu'elles ne soient plus fermées. So that the gates will not be shut. Je marcherai devant toi. I will go before you. Dis amen. Say amen. Je dis que Dieu va t'utiliser pour ta famille comme il a utilisé. I'm telling you, God will use you for your family as he used Osiris. Il dit, je marcherai devant toi. He said, I will walk before you. J'aplanirai les chemins monstrueux.
and make the crooked places straight. Je romprai les portes des reins. I will break in pieces the gates je of bronze. Je briserai les verrous de fer. And cut the bars of iron. Et je te donnerai des trésors cachés. And I will give you treasures of darkness. Des richesses enfouies. And hidden riches of secret afin places. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. That you may know that I am the Lord who calls you by your name. Le Dieu d'Israël. I'm the God of Israel. Pour l'amour de mon serviteur Jacob. For Jacob, my servant's sake. Et d'Israël mon élu. And Israel, my elect. Je t'ai appelé par ton nom. I have even called you by your name. Je t'ai parlé avec bienveillance. I have named you, though avant you que tu ne me connaisses. Though you have not known me. Je suis l'Éternel. I am the Lord. Il n'y en a point d'autre. And there is no other. À part moi, il n'y a point de Dieu. There is no God beside me. J'étais saint avant que tu ne me connaisses. I will guide you, though you have known me. C'est afin qu'on sache, c'est that, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. That they may know from the rising to the sun. The rising of the sun to its setting. Qu'à part moi, il n'y a pas de Dieu. That there is none beside me. Je suis l'Éternel. I am the Lord. Il n'y en a point d'autre. And there is no other. Je forme la lumière. I form the light. Je crée les ténèbres. And create darkness. Je donne la prospérité. I make peace and je create. Je crée l'adversité. And make peace and create calamity. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. I, the Lord, do all these things. Que les cieux répandent d'en haut. Rain down, you heavens. Et que les nuées laissent couler la justice. From above and let the skies your que la terre glow. Que la terre s'ouvre. Let the earth open. Que le salut y fructifie. Let them bring forth salvation. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. And let righteousness spring up. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. I, the Lord, have created it. Alléluia. Praise the Lord. Vous voyez comment il ouvre les portes à Cyrus. You see how he opens the doors to Cyrus. Et c'est ce que Jésus a fait. And that's what Jesus did. Il dit, le Père m'a envoyé. He said, the Father have sent je me. Vous envoie. I send you. Guérissez les malades. Heal the sick. Si vous voyez les démons, chassez les démons. If you see demons, cast them out. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand upon your head. Dis, je crois. Say, I believe. Que le Seigneur peut m'utiliser. That the Lord can use me. Le Seigneur peut faire de moi un instrument de salut. The Lord can make of me an instrument of salvation. Et il va le faire. And he will do it. Dit Jésus l'a déclaré. Said Jesus declared it. Et il a dit. And he said, comme le Père m'a envoyé. As the Father sent me. Moi aussi je vous envoie. I to send you. Le Père l'a envoyé faire quoi? What did the Father send him to do? Apporter des bonnes nouvelles. To send good news. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Libérer les captifs. Release captives. Rendre libres les prisonniers. And set prisoners free. Restaurer la race humaine. And restore human race. La couronner les croyants de gloire. Crown the believers with glory. Être au milieu d'eux comme le grand frère. Be in their midst as the elder brother. Pour les amener dans la conquête. To take them into the conquest. Frère, le Dieu qui m'a dit utilisez ma puissance. Brethren, the God who told me use my power. Est là. He is there. Il est vivant. He is alive. Ce que tu as écouté comme témoignage, c'est petit par rapport à ce qui va t'arriver à toi-même. What you have listened as testimony is very small comparing what will happen to you yourself. Ton témoignage sera dans les chants. Your testimonies will be in songs. Dans les cœurs des saints. In the hearts of the holy ones. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que c'est Jésus qui est roi. That it is Jesus who is the king. C'est Jésus qui est roi. Jesus is the king. Dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi. Say, Lord, here am I. Use bénis me. Mes paroles. Bless my words. Bénis mes paroles. Bless my words. Bénis mes actions. Bless my actions. Bénis mes pensées. Bless my thoughts. Bénis mes plans. Bless my plans. Ouvre devant moi les portes. Open doors before me. Oh Père. Oh Father. Permets que quand je veux parler, allow that when I speak, que les oreilles soient débouchées. That ears be. Toi-même tu sais qu'ils sont endurcis. You yourself know that they are hardened. Bénis-moi. Bless me, Lord. Bénis-moi. Bless me. Bénis-moi. Bless me. Bénis-moi. Bless me. Bénis mon témoignage. Bless my testimony. Prions en langue. Let us pray in tongues.
Dis Père, remplis-moi du Saint-Esprit. So Lord, fill me with the Holy Spirit. Continue à prier. Continue to pray. Dis oh Père, remplis-moi de zèle pour toi. Oh Father, fill me with your Holy Spirit. Remplis-moi de zèle pour toi. Fill me with zeal for you. Continue à prier. Continue to pray. Dis oh Père, remplis-moi d'amour pour toi. Oh Father, fill me with love for you. Parce que je sais que tu vas m'utiliser. Because I know you will use me. Je sais que tu m'as choisi. I know you have chosen me. Que mon cœur t'appartienne. That my heart belongs to you. Continue à prier. Continue to pray. Dis, c'est Jésus qui est roi. Say, it is Jesus who is king. C'est Jésus qui est Dieu. Jesus is God. C'est Jésus qui doit régner. Jesus is the one who should reign. Lève ta main droite. Raise your right hand. Nous allons prier que toute forteresse. We are going to pray that any stronghold soit démolie. Be destroyed. Les forteresses, c'est quoi? What is a stronghold? Les forteresses, c'est là où l'ennemi se retire quand il est acculé. The stronghold is the place where the enemy withdraw, go to stay when he's blocked. Parfois, c'est les gros arbres là, ils peuvent être une forteresse pour les sorciers. Sometimes the big trees can be a stronghold for sorcerers. Parfois, les vieux bâtiments abandonnés. Sometimes the old buildings that are abandoned. Parfois des forêts, toute une forêt. Sometimes the forests, etc. etc. Nous allons prier que les forteresses. Nous sommes un seul peuple maintenant devant Dieu. Now, before God, we are one people before God. Now, si tu n'as pas encore cru, if you have not believed yet, tu n'es pas concerné. You are not concerned. Si tu veux être parmi nous. If you want to be in our midst, pendant que nos mains sont levées, tu dis à Jésus, je te donne ma vie. Tu lui dis ça. While your hands are up, tell Jesus, I want to give you my life. I give you my life. Il te connaît. He knows you. Si tu dis la vérité, tu seras béni. If you tell the truth, you'll be blessed. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, but if you don't give your life to Jesus, quand on dit nous aimons Jésus, toi aussi tu dis nous j'aime Jésus, tu mens. When we say that we love Jesus and you too say that you love Jesus, you are a liar. Et ce n'est pas bien pour toi. And it's not good for you. Tu ne peux pas te déplacer pour venir mentir à Dieu. You cannot move from home to come and lie to God here. Dis à Dieu, tell God, je suis prêt maintenant. I am now ready. Quand Dieu s'est révélé à Paul, when God revealed himself to Paul, quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, when the Lord Jesus revealed himself to him, il lui a demandé qu'est-ce que je dois faire. He asked him, what shall I do? Ne fais pas comme si tu es dedans, tu forces, tu manques. Don't do as if you are in it. Demande-lui qu'est-ce que je dois faire. Tell him what shall I do. Le Seigneur peut te dire de laisser tous tes péchés, d'accepter que tu laisses les péchés là où tu es là. The Lord can tell you to accept to leave, abandon all your sins where you are. Il y a des gens qui entretiennent des relations avec les prostituées, ils louent les maisons. Si tu dis oui maintenant, tu ne donnes plus un seul franc. Tu demandes pardon à la femme. Tu dis de sortir vite de la maison parce que Jésus t'a pris. Some people have relations with prostitutes and pay house rent for them. If you say yes to Jesus now, you tell her to get out from the house because Jesus has taken you. Tu abandonnes tous les compagnons d'aventure, de boissons, de prostitution. And you abandon all those who you follow to drink
dire. Sincèrement, on ne doit pas te supplier que pardon, il faut laisser, non. Si on te supplie, tu es disqualifié. Sincerely, we must not plead with you. If we plead with you, then you are disqualified. Jésus est le roi. Jesus is the king. S'il te dit, je passe la nuit chez toi, tu es vraiment, tu je ne sais pas ce que je peux te dire de if faire. He tells you, tu te couches même à plat, tu commences à l'adorer. If he tells you that I spend the night with at your house, then you lie flat down and start worshiping him. Ne fais pas comme si tu étais important et tu dois donner ta vie à Jésus. Tu marches d'une manière. Do not do as if you are important and you have to give your life to Jesus. You walk in such a way, in this way. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lève ta main. Raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que toute forteresse s'écroule. Lest any stronghold be destroyed. Que les ennemis soient dans la débandade totale. Let my enemy be free. Qu'ils ne puissent plus jamais se réconcilier. Let them be reconciled anymore. Qu'ils demeurent dispersés, jugés, dispersés, jugés, scattered, judge. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Qui s'opère partout dans nos familles des délivrances, des guérisons. Let deliverances and guérisons. Let there be deliverances and salvation. Dis des délivrances, des guérisons, des délivrances, des guérisons. Miracles, healings, deliverances. Lève ta main. Raise your right hand. D'ici, il y a des croyants dans nos familles. Say if there are believers in our families. Qui sont tombés. Who have fallen. C'est-à-dire, ils étaient des vrais enfants de Dieu, mais le diable les a vaincus. That is, commandons qu'ils reçoivent la vie maintenant. That is, they are true children of God and they have overcome them. Let's commend that they rise. Seigneur. Say, Lord. Que tous les rétrogrades dans nos familles. Let all the backsliders in our families. Reviennent à Jésus. Come back to Jesus. Que tous les rétrogrades reviennent à Jésus. All the backsliders return to Jesus. Prie que s'il y a un serviteur de Dieu dans nos familles qui a perdu la vision. Pray that if there is a servant of God in our family who has lost the vision. Et le diable se moque de lui. And the Lord is the devil is mocking Prions at him. Qu'il revienne à la vision. Let us pray that he comes back into the vision. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tout serviteur de Dieu. Let any servant of God. Existant dans nos familles. Who is in our family. Qui est tombé dans les pièges du diable. Who fell in the snares of the devil. Qui a perdu la vision. Who lost the vision. Reviens à la vie. Return to life. Reviens à la vie. Return to life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Prions Allah. Let us pray. Lève ta main droite. Raise your right hand. Nous allons prier que si le Seigneur avait donné la victoire à un enfant de Dieu dans nos familles. We pray that if the Lord had given victory to a child of God in our family. Et que pour une raison quelconque, il a perdu cette bénédiction. And for a reason or another, he has lost that vision, that blessing. Que le Seigneur le restaure maintenant. May the Lord restore him now. Si Dieu a donné une bénédiction à quelqu'un qu'il a perdu. If God had given a blessing to someone and he has lost it. Nous sommes en train de supplier Dieu. We are pleading with God. Que par sa grâce. That by his grace. Il restaure la personne. He restores the person. S'il l'avait guéri et il a perdu la guérison. If he had healed him and he has lost his health. Beaucoup ont déjà été guéris. Many have already been healed. Après 2 ans, 3 ans. 2 years later. Le diable est venu. The devil came back. Il les a séduits. And he seduced them. Quand ils sont tombés, le mal est revenu. When they fell down, the pain came back. Crions à Dieu. Let's cry out to the Lord. Que tout cela soit guéri. That all these be healed. Si sont dans ce lieu ou bien s'ils sont dans un autre pays en train d'écouter la radio. Even if they are here. Mais que Dieu ait pitié qu'ils guérissent. Let God has mercy of them and heal them. Si c'est un emploi.
If it is a job, il t'avait béni. He blessed you. Après deux ans, l'orgueil est venu, il t'a enlevé, il l'a jeté, par terre. Prions qu'il te relève. After 2 years, he became proud and he took it. Let's pray that he raise you up. Quand Nebuchadnezzar s'est glorifié, when Nebuchadnezzar glorified himself, Dieu l'a jeté par terre. God cast him down. Il lui a dit, tu vas manger les herbes. He said that you will eat grass. Quand il s'est repenti, when he repented, Dieu l'a restauré. God restored him. Le Seigneur te restaure. The Lord restores you. Et il te rétablit. Mais apprends une chose. But learn one thing. Que tu le serviras avec crainte. That you will serve him with fear. Et avec tremblement. Avec tremblement. And trembling. Crions ensemble. Oh Père. Oh Father. Restaure tous ceux qui ont été bénis. Restore all those who were blessed. Et qui ont perdu leur bénédiction. And who lost their blessing. Par une mauvaise conduite. By a bad conduct. Ce que ta main a rabaissé. Those your hand brought down. Relève-les. Relève-les. Rise them up. Par amour. With love. Par compassion. By love, by compassion. Par miséricorde. By mercy. Continue à intercéder. Continue to intercede.